famille, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon moment en visionnant votre série du moment. Il s'agit bien de la web-série 100% togolaise Aqua. Je me présente. Je réponds au nom de Marthe Eglo. Je suis actrice comédienne et j'interprète le rôle d'Emily dans votre série. Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer une exclusivité. En effet, au nom de toute la structure Le Coffee Film et de tout son staff, j'ai le plaisir de vous annoncer un événement dénommé Hashtag Aqua épisode 10, c'est maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison 1 de notre série englobe 10 épisodes, notamment 9 épisodes de 25 à 30 minutes et exclusivement pour vous, l'épisode 10 sera un long métrage de 1 heure et quelques. Et pour cela, il ne sera pas directement diffusé sur notre page YouTube Le Coffee Film, mais sera lancé à un lieu et une date que nous vous communiquerons plus tard. Pour ce faire, si vous aimez ce que nous vous proposons, je vous demanderai humblement de vous abonner à tous nos différents comptes. Pour ce faire, il vous donnera droit à avoir un ticket gagnant. Comment cela se passera? Il vous suffira juste de mettre en commentaire hashtag Aqua épisode 10 c'est maintenant sous nos différents posts. Nous sélectionnerons à chaque fois 2 commentaires. Pour l'instant, je vous souhaite de passer un bon moment en visionnant notre épisode 5. Et moi, je vous dis à plus. Bye bye. Cet épisode vous a été offert par Bistalil Glory. Ouais, yo, bro. Ouais. Je l'ai. La taille S. Le paradis des maillots. Tu as pu régler la nuit avec Anna? Ouais, je viens de l'appeler. On s'est décidé de se voir pour régler tout ça. C'est mieux. Je te conseille de le faire. Je te passe mon frère. Ouais, et sincèrement, avec Aqua, je vais pas te mentir. Cette fille est spéciale. Du coup, je vais faire les choses bien pour une fois. Tu sais, je te reconnais plus hein, dans cette relation avec Aqua. On dirait qu'on t'a mis dans une bouteille. Tu t'as gothémisé. Mon frère, être gothémisé mieux que d'être dans une relation à tontine. Oh, arrête, tu as gagné. En parlant de tontine. Bonsoir Sandra, ça va? Ouais, ça va. Je vous laisse, on se casse après. D'accord, chez moi au courant. Il n'y a pas de souci. Bonjour bébé. Stop. Je ne suis pas là pour les salutations. On est vendredi. Et pour ça là. Mais dis-moi, pourquoi tu réagis comme ça devant mes amis? Mike, tontine, toi va tout faire ma jo là. Hein? Quand même la signe. Donne mon argent. Je sais que tu t'es promis bien sûr cette semaine, mais ça n'a rien donné, bébé. Je ne veux rien entendre. Donne mon argent. Je n'ai que la moitié de ce que tu m'as demandé. Fallait commencer par là, je veux voir. Voilà. Moi, c'est un bon début. Aujourd'hui, tu auras droit à un gros bisou. On se voit ce soir? Non, t'as des rendez-vous avec tes copines. Ciao, ciao. À quoi va Nigo? À quoi est? À quoi va Nigo? À quoi Nigo? Ça va, tu es là? Je suis là.
Tu es romantique ces derniers temps, tu peux encore porter quoi? Ah ça? Non, c'est pas pour ça. C'est pour Junior que je suis là en fait. Junior, jusqu'à il vient me voler la vedette de ma propre maison. Toi aussi, quand même. Tu sais que t'es ma spéciale pour moi. Personne ne peut te voler la vedette. Tu as intérêt. Bon, de toute façon, vu que je l'ai promis le mal, pourquoi je l'ai apporté? Le fameux maillot pour lequel on m'a vendu. Il est où même? Non, c'est pas sûr qu'il soit dehors parce que je l'ai pas mis en maison. Il doit être en haut. Junior! Junior! Viens, s'il te plaît. Je suis là, c'est pas la femme de crier aussi fort. Il a toujours à dire ce petit-là. Et je te dis. Il y a Jonathan qui te cherche. Bonjour, Jonathan. Salut, Junior, ça va? Ça va très bien. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour moi? Waouh, c'est trop cool. Grand soeur, faut souvent dire que tu n'es pas là, hein? Pour me vendre encore, n'est-ce pas? Merci, Jonathan. Je t'en prie, je te l'avais promis de toutes les façons. Je vais essayer à l'instant. Ok. Un sacré petit ce Junior. Je ne te fais pas dire. Dis-moi, j'espère que tu n'as pas oublié le brunch de cet après-midi. Ah, putain. Sérieux? Désolé. En fait, le problème, c'est que je me sens pas vraiment capable d'y aller. Parce que avec la famille, j'aime pas trop les projecteurs, en fait. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. C'est juste un petit truc. Maman fait juste un petit truc entre nous et tout ça. Je sais pas, je le sens pas vraiment. Bon, ok, on va faire quelque chose. Tu viens avec ta petite soeur, je suis sûre qu'elle va s'amuser. Et tu seras aussi à l'aise. Quoi, Gracia? Avec son affaire des grises là, c'est pas sûr, hein. Tu veux me permettre? Ta petite soeur, quel âge? Junior. Elle a 18 ans, pourquoi Junior? Non, rien. Et sinon, comment vous me trouvez dans le maillot de notre légende? Comme un gant. Tu as même une légende, normal. Hein? Une légende même. Légende des vendeurs, oui. Grande soeur, tu ne peux pas comprendre. Et... Merci. Je t'en prie, Junior, je t'en prie. Allez, bébé, promets-moi que tu seras là, s'il te plaît. C'est pas comme si j'avais le choix. De toute façon, tôt ou tard, il va falloir que je tombe sur ma belle-mère. Donc, le plus tôt sera le mieux. Et voici mon prince charismatique. Soyez bien là. Plus joli, hein, Gracia. Merci. Tu fais quoi ce soir? Ce soir? Je l'aime. Ça te dit qu'on a une boîte du dégât? C'est pas trop. Vous êtes là? Oui, bon arrivée, dame. Ça va. Au fait, dis-moi, tu fais quoi ce soir? Rien. Bon, vas-y, tu m'accompagnes à une pièce ce soir, ok? Oui. On part à quelle heure? Comment ça, on part à quelle heure? Moi, toi, et Gracia. Oh là, là, c'est quoi bien, venir là. Bien, mon caca est cogné, tu es là. Après. Ah, waouh, Yudamo, bon, y'a un walado, hein, quoi, mouillon, quoi. C'est pas bien, quoi. Famous. Famous production. Ah, on m'a ouvert, on nous donne à baigner, patron. Il est moudre à s'insouner, ouais, n'aime jamais ma voix. Ah, on m'a ouvert, on nous donne à baigner, patron. Il est moudre à s'insouner, ouais, n'aime jamais ma voix. Père, toi, poisson, le créateur de l'univers, je te remercie. Tu me protèges devant mes ennemis, tu me donnes le souffle de vie.
Odo odo nube na be ye muje yo mare nu ma gbe mo ore. Wa mu no je gbo nu gbe dodo wa ma o fi ti je pe ji ji en ji mu be na re. A o ma u ga onu de ne agbe ni badro. Ige mu do ya sen su ne ne we ni mjani ma bu. A o ma u ga onu de ne agbe ni badro. Ça va bien, bon, y a Don... comment tu es seule? Oui, il y a Don qui m'a posé un lapin là. Encore. Wow. Maman, c'est joli ça. Oui, oui. C'est très beau. Tu as eu ça où? Chez Pet Salive. Bon, de toutes les façons, je t'en ai acheté un, mais... C'est où? Il est dans la voiture. Maman, alors, tu vois le genre d'enfant que tu as. Elle m'achète un sac et elle laisse ça dans la voiture. Et le sac m'irait bien. Oh, maman! Oh, non. Attends, je te fais rapporter. Tu m'as promis que tu seras toujours là pour moi. Malgré les difficultés de la vie, tu es mon seul espoir. Obena, il m'a dumpé là, et nous qui moule déjà déjà wena mla. Eh, il m'a dumpé là, et nous qui moule déjà déjà wena mla. Eh, il moule vola, et nous qui moule déjà wena mla. La histoire est pré pré pré, elle est pré pré pré. Odeta kwela koname. Aho ma uga onu de ne agbeni badro. Ige mudo ya sensu ne ne we ni mjani mabu. Aho ma uga onu de ne agbeni badro. Ige mudo ya sensu ne ne we ni mjani mabu. Soyez les bienvenus. Merci. Si j'ai bonne mémoire, tu dois être Gracia. Oui, c'est bien moi. Ok. Et je vois que les présentations sont déjà faites. Ah oui, oui, oui. Mais dis-moi, normalement il devait avoir John, non? Ah, John. Il a eu un conflit. Quand il viendra bien. Putain, il m'a laissé dans la gueule. Ah bon? Et si tu peux, où est à quoi? À quoi? Et toi, t'es triste, pardon, les parents. Ah, la voilà même qui arrive. Ah, Jonathan, vous êtes sur Gracia. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Oh. C'est joli. Pendant ce temps, moi, John m'a laissé tomber, vous amouragez. Excuse-moi. Il faut avoir un Jonathan et un John. Ah, maman! Je vais te présenter à maman. Non, moi, je suis en train de parler avec Emily. Donc. Bah, tu peux aller, vas-y. De toutes les façons, maman ne va pas te manger. Toi aussi. Maman, je te présente Jonathan. Bonsoir maman. Tu vas bien? Je vais bien. Et vraiment merci de m'avoir invité. Oh, je t'en prie. Et ma fille m'a beaucoup parlé de toi. En bien. Et j'espère que tu es à la hauteur de ses dires. Et maman. Ne vous inquiétez pas, je prends mon seul délai. J'espère que tu es content. Je suis en train de parler avec maman. Oui, allez, de toute façon, on a toute la soirée. Ok. Encore une fois, je suis en qui gagne. Il est beau ton fils. N'est-ce pas, maman? Je l'aime bien, tu sais. Je savais que tu allais l'aimer. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est photographe. Oui. Et livreur en soirée. Oh. Non, mais belle idée. Il n'a pas le sens de l'humour. Comment ça, maman? C'est quelle réaction, ça? Comment je suis sérieuse. Livreur. Est-ce que tu t'es entendu parler? Tu veux mettre la honte sur moi dans la famille, c'est ça? De quelle honte tu parles, maman? Combien tu as encore sur tes histoires de classe sociale, c'est ça? Attends, mais il n'est pas de la même classe sociale que nous. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un pour me foutre la honte, quand même. Maman, oui? Il n'y a pas que la classe sociale qui compte. Ah, la classe sociale ne définit pas la personne. Ah, bon. C'est un bonhomme. Tu me dis. Et il me rend heureuse, maman. Heureuse? Oui, heureuse. Tu plaisantes, ma fille. On ne juge pas les gens juste comme ça, par leur classe sociale, maman. Tu ne le connais pas. Et elle s'en va. Oui, je m'en vais. Salut, Charlie. Hey, Charlie, regarde-moi. Ça va. Ça fait un moment. Je pète la forme. Où est passé Nathan? C'est sa vie traiteur là. Tu racontes quoi encore? C'est un traiteur celui-là. Il a encore fait quoi? Tu peux imaginer qu'on a invité notre frère à une fête et il ne m'invite pas. Sachant que moi et la fille fou, c'est une histoire d'amour de longue date. Mais arrête, il s'agit de quelle fête? Apparemment, c'est la mère d'Aqua qui organise un petit truc en famille. Déjà? Non, frère, de la chance. Juste une relation de 3 mois et puis on la vit déjà à la maison? Bon ou pas, c'est pas une raison de gâter pour moi. Moi, t'es bleu, toi, quoi. Puis que me laisse, on me laisse vraiment. Arrête, mon frère. Je ne parle pas. Ah!
Hello ma fille, tu es là? Oui maman. Tu profites bien de la fête? Ouais. Non, non mais ne me fais pas cette tête. Tu sais, tout à l'heure, j'ai vraiment pas voulu être méchante, d'accord? Amy? Oui? Est-ce que tu as vu à quoi? À quoi? Oui, à toi, t'es dans la cuisine, hein, je pense. Je peux? Oui, oui, tu peux, vas-y. Okay. C'est juste que je voudrais que tu comprennes. Ton père et moi, nous avons investi beaucoup en toi. Tu sais que tu as fréquenté les meilleures écoles de la ville. Tu as eu une très bonne éducation. Mais regarde-toi, tu es une fille intelligente. Et tu devrais savoir que tu dois choisir un homme qui saura reconnaître ta valeur, ma chérie. Nous n'avons pas fait tous ces sacrifices, fait tout ce que nous avons fait pour qu'aujourd'hui, tu termines avec un livreur. Ma chérie, je ne veux que ton bien. Tu sais, je suis ta maman, je ne dois penser qu'à ton bonheur. Et c'est pour ça. D'accord, ma chérie? J'ai été emportée par votre mélodie. Ah, ça fait plaisir. Je n'avais même pas remarqué votre arrivée. Ouais, c'est normal. Vous étiez tellement fort. Ça fait plaisir. Moi, c'est Gracia. Moi, c'est Carl et mes amis m'appellent Carlos. Très enchanté. Et vous faites partie de la famille Non, on nous a invités aussi, mon frère et moi. Ah, d'accord. Et vous? Ah, vous êtes là? Oui, on est là. Ça va très bien. Franchement, merci pour la prestation de tous. Comme d'habitude, tu as été top. Franchement, j'ai aimé. Ça fait plaisir. Et du coup, je te mets au courant en même temps. Tu as aussi fait un coup de danse. D'accord. Je suis en train de préparer un nouveau truc. Ah bon? C'est quoi? J'imagine comment ça sera. Si déjà là, on a fait un super truc. Tu me connais, non? Tu connais la sauce? Franchement, j'ai confiance. Grace, il faut qu'on parte, en fait. Déjà? Tout de suite? Oui, oui, je viens de recevoir un appel, je vais faire un truc. Mais c'est maintenant que la soirée commence. Elle a raison, hein. Bon, vous savez quoi? Je te la confie. D'accord. Et s'il te plaît, tu rentres tôt. Merci. Ok, à toutes. Bye. Donc, voilà. Attends, je te fais écouter un petit air. Ok. Tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord. Tu refais un peu là-bas. Ça commence. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, yeah, yeah. C'est comme moi. Oui. Lorsque Thomas est décédé, oui, j'étais l'ombre de moi-même. Bien sûr. J'ai passé 5 ans à penser que je ne revivrais plus jamais ceci. J'ai passé 5 ans à pitoyer sur mon sort. Je sais. J'ai passé 5 ans de ma vie à pleurer, à me culpabiliser que je suis l'auteur de la mort de Thomas. Je comprends. Et quand Jonathan est rentré dans ma vie, il n'a rajouté que des couleurs. Il m'a refait vivre. Il m'a refait sentir oui, aimé. J'ai bien vu tout ça, je l'ai vu. Mais maman, il n'y a pas que de l'argent dans la vie. Il n'y a pas que ça. Certes, il n'est pas ce que tu penses. Il n'a peut-être pas la classe que tu oui veux qu'il puisse avoir. You don't understand everything. I understand, mom. I do. Do you? Tu as vu Jonathan? Jonathan? Oui. Oui, on est ensemble tout à l'heure. Ok. Il s'apprête à partir. Hein. Mais déjà, il n'a rien dit. Ah bon? Je pensais que vous avez parlé avant. Non, pour... pas du tout. Ok, d'accord.
chercher à l'intérieur. Au fait, le truc, c'est que je dois partir. J'ai quelque chose à gérer. Comment ça, tu comptais partir sans rien me dire? Tu sais, je me pose la question. Qu'est-ce que tu me veux, au fait? Mais de quoi tu parles? Je comprends rien. On était bien tout à l'heure. Tout d'un coup, tu changes d'humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai écouté, ta mère et toi. Je sais très bien. Je ne suis pas le genre d'IA comme toi. On est d'accord. Déjà, je suis juste un livreur et tout. Qu'est-ce que tu me cherches? Qu'est-ce que tu me veux? Tu as écouté ce mot, ce que maman a dit. Tu n'as même pas écouté ce que je donnais comme réponse. Pas besoin. Pas besoin. Tu sais ce qu'on va faire? Le mieux pour ce soir, c'est que je pars. Sincèrement, je suis désolé, mais il va falloir que je parte. Bango tome na kwanu kume mito Eji oja dan kusu humu vwa mito Nukele Joyce wa mi vivi Ekbe kwa atwe tete lo Wa mi klompe ni kuwa se ma fwelo Ewe ni dole de kuwa tike nyelo Ewe ni hindu sempre kwa chapa chapenye. Bonsoir, belle dame. Bonsoir, monsieur. C'est dangereux pour une belle dame comme vous de traîner à 7 heures dans la nuit. Allez, montez, je vous dépose. Ah, non, ne vous inquiétez pas, je vais pas loin, je vais marcher, merci. Allez, venez, j'insiste, je ne peux pas vous laisser comme ça. N'insistez pas, s'il vous plaît, pas ce soir. Bonne soirée. Je comble tes désirs. T'as laissé ta famille, tes amis, just for me. Et tu le sais qu'on est un loin. Les obstacles de la vie, oui, à te voir les surmonter. Et n'y a ni d'olé, ou à tiquer. Et n'y a ni nous, simple, quoi, bonsoir, non. Bonsoir, Jonathan. Je sais qu'à quoi finira pas t'agacer que tu reviendras vers moi. Alors, je t'ai manqué. C'est pas moi, toutes ces conneries. Tu penses pas que je suis pas au courant de ton interaction avec Emily et son mec? C'est quoi ton problème au juste? Ah, que les nouvelles vont vite. Décidément, cette fille ne sait pas fermer sa bouche. Arrête ton petit cinéma. Franchement, pourquoi tant d'enchaînement envers les autres? Qu'est-ce que tu cherches? On est d'accord. Il y a plus de toi et moi. C'est quoi le problème en fait? Dis-moi, c'est quoi le problème? Attends, tu penses qu'avec tout ce qui s'est passé entre toi et moi, je vais te laisser comme ça refaire ta vie? Mais tu te trompes. Sérieusement, tu te trompes. En fait, bébé, finalement, est-ce que tu as pu trouver les mannequins pour ton lancement de marque? Ah oui, je ne t'ai plus dit. Jonathan s'en occupe, vu qu'il est dans le domaine. Ça va être plus facile pour lui, tu vois. Bon. Quoi? Parlant de Jonathan, dis-moi, un de vos débats, c'est du sérieux ou bien c'est juste une histoire de... Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. C'est un mec bien gentil, attentionné et tout. Un mec avec qui tu peux t'afficher en public. Mais là, dire qu'il y a un truc de sérieux. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Franchement. En tout cas, t'es une grande fille. Genre, je te fais confiance et je sais que tu vas bien gérer. Donc, je te fais confiance. Et entre nous, il fait tellement bien la chose, tu vois. Quoi? Vous avez déjà passé à l'acte? Deux fois. Seigneur. Bon, bref. Il vient passer la soirée ici. Ok. Je vous dérange pas. Je dois rentrer là maintenant. Oui. Vous allez trouver mon gars. Oui. Bon, j'espère que tu n'es pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Hein. Regardez là. Je dois rentrer. C'est bon, ça. À plus, allez, mes chers. Ah, madame, tu as oublié ton téléphone. Ah oui, j'ai oublié mon téléphone. Regardez là. Oh putain.
Bébé, il y en a un peu pour toi, je te l'apporte. Non, non, ne touche pas, j'arrive. Ah, ok. Ah, Sophie. Elle veut quoi encore? Bébé, j'espère que tu n'es pas fâchée pour ma réaction tout à l'heure. Je voulais pas te déranger, c'est pourquoi. Au fait, je sais pas comment te dire, mais ces derniers temps, t'es tellement bizarre avec tes comportements. Tu reçois des messages tard la nuit, des appels. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Arrête, n'aie pas ces idées là en tête. Imagine, tu étais à ma place, qu'est-ce que tu allais penser? Attends, tu ne penses quand même pas que je te trompe là? En vrai, je sais pas, je sais même pas quoi penser parce que tu. Arrête, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Bébé, arrête. C'est bon. C'est pas ce que tu crois. C'est fini, bon, vas-y, c'est bon. Non, arrête. Je pense que j'en ai eu assez comme ça. Crois-moi, c'est mort. C'est mort de toute façon. Désolée, ça m'a bien donné de toute façon. Tu peux pas me faire j'ai ça. J'ai pas besoin d'explication. Je veux te voir le message. Je vais faire ça. Attends, je vais tout t'expliquer. Ah non, s'il te plaît. Sincèrement, mon père m'a appris de ne jamais frapper une femme. Donc, s'il te plaît, laisse-moi partir. Yo les gars, c'est comment? Salut, moi je suis là, je suis vite dans la vie de l'homme. Ah, ça va plutôt bien de mon côté, mon frère. Moi, j'ai commencé la démarche pour le local de ma nouvelle boutique. Ah, je suis vraiment fier de toi, mon frère. C'est sûr que ça va payer. Et on y croit du mon frère. Donc, à Kenya, je suis plombé loin, mais le moment. Et le moment, je suis plombé loin. Mais barantol au début. Bon, les gars, sincèrement, je ne sais pas comment vous le dire, mais. Ben, nous dit quoi? J'ai dû rompre avec Anna. Tu es allé? Merci, mes frères. Ben du calme mon frère, du calme. Bien te le donner. Qu'est-ce qui se passe là? Non, on a parié sur la durée de la relation avec Anna. Vous êtes sérieux les gars? Je savais que tu n'allais pas durer dans cette relation. Je t'ai donné 6 mois. Je connais ton record, frère. Allez, raconte-nous. En vrai, je ne vais pas vous mentir, je ne veux vraiment pas parler de ça. Pourquoi? Il y a un prophète, il y a un danage. Que de ton nom, dit les filles, il y a un blanc, il y a un 6 mois. Et là, si vous voyez, on y a un gars, on y a un barabara, on y a un gars, surtout Anna, Anna, on y a un gars, 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 et t'as la vie de l'homme, on y a un gars.
Allô, bonjour Jonathan. Allô, bonjour. J'espère que tu vas bien. Désolée de te déranger. Mais j'ai besoin de te voir en tour d'urgence. Je suis pas disponible. S'il te plaît, c'est vraiment important. Sinon, je t'aurais pas dérangé. S'il te plaît. Ok, on se voit. Je suis à la maison, tu peux passer, s'il te plaît. Ok. C'est bon, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire un truc, mais... Vas-y, passe. Sincèrement, j'ai pas tout ton temps, là. Voilà, je suis enceinte. Bravo. Sincèrement, toutes mes félicitations. C'est toi le père. Comment ça, c'est moi le père? C'est toi le père. Tu délires comment? Ça fait plus d'un mois que nous ne sommes plus ensemble. Et même lorsqu'on était ensemble, tu me trompais avec d'autres gars. Alors, je comprends pas comment tu as le culot de venir me dire que je suis le père de... Tu délires ou quoi? S'il te plaît, je suis pas le père de ça. Sérieux. Je savais que tu allais dire ça. Du coup, j'ai anticipé. Alors, pourquoi me faire dépasser encore? Je voulais juste t'en informer et te dire que j'allais faire un IVG. Ce que tu décides d'en faire, c'est pas mes ordres, c'est ton problème. De toute façon, tu as moyen de rien. Donc, du coup, tu fais ce que tu en veux. Moi, je m'emballais, tu oublies mon numéro et tout ce qu'il y a avec. Attends, tu es sérieux là? Je m'en fous, je te le dis, tu m'appelles plus. Sincèrement. Sincèrement. On est bien d'accord que c'était bien fini entre nous. Alors, tu me chantes quoi là? Attends, je fais tout ça pour nous. Sincèrement, si je savais que c'était à cause de ça, sincèrement, j'allais pas venir. Et si je n'avais pas avorté? Et si j'avais gardé le bébé? À quoi va? À quoi va, niño? Aqua me joga.